Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre « Désir secret » écrit par Dan Chamberlain. Donc, ça fait au moins 4 livres que je lis de cet auteur. Et puis, comme à toutes les fois, j'ai vraiment envie de le lire. Et dès les premières pages, je me fais attraper. Donc, dans ce tome-ci, dans ce roman-ci, on suit Rachel Hubert qui, 20 ans plus tôt, a vécu un drame. Donc, 20 ans plus tôt, elle était une jeune institutrice avec sa classe et puis 10 enfants sont morts. On n'en sait pas vraiment plus au début, mais on va savoir plus au fur et à mesure de la lecture. Donc, une fois que cette tragédie est arrivée, elle a décidé de quitter Réflexion parce qu'il y avait des médisances, des commentaires à son égard. On pensait qu'elle avait été... qu'elle n'avait pas fait attention, puis qu'elle est un peu coupable, dans le sens que c'est pas elle qui les a tués, on sait pas vraiment ce qui se passe au début, mais on pensait qu'elle avait une certaine part de responsabilité dans ce drame. Donc, pour en finir avec toutes ces horreurs qu'elle entendait, et pour essayer de vivre son deuil d'une façon ou d'une autre, elle a quitté Réflexion en espérant ne plus jamais y revenir. Par contre, 20 ans plus tard, sa grand-mère a besoin d'elle pour une raison X, Y. Et puis, elle pense que les habitants de cette petite ville auront oublié, mais elle se rend vite compte que non. Et que cette tragédie, qui a quand même eu lieu 20 ans plus tôt, a encore beaucoup de répercussions sur une grande majorité des habitants. Donc, elle va devoir un peu plaider en sa faveur et essayer d'aider les gens à faire leur deuil. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme tous les romans de Dan Chamberlain, dès les premières pages, on embarque parce que ça commence assez rapidement. On suit des intrigues, il y a plusieurs intrigues aussi, il y a plusieurs mystères, des zones d'ombre. Chaque personnage a sa part de secret, puis chaque secret ouvre une nouvelle porte, chaque secret fait en sorte que la vérité est un petit peu modifiée de ce que l'on pourrait penser. Donc j'aime vraiment beaucoup cet aspect de Dan Chamberlain, et cet aspect se retrouve dans tous les livres que j'ai lus de elle jusqu'à maintenant. Et comme je vous dis, j'en ai lu environ 4. Donc... Et puis on s'accroche immédiatement au personnage parce que chaque personnage a ses faiblesses, mais elle fait souvent des personnages forts, des personnages féminins forts. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de Dan Chamberlain. Les femmes sont telles qu'elles sont et n'ont pas peur de leurs faiblesses, n'ont pas peur de leurs forces, n'ont pas peur de foncer. Surtout qu'elle écrit pour les années environ 70, dans ce temps-là, l'ambition féminine, plus ou moins. Vous voyez, ce livre-là est sorti en 1996 quand même. Alors, c'est pas un livre récent. Mais je pense que ce que je vais essayer par contre, c'est de lire des livres plus récents parce que j'ai l'impression... En tout cas, dans celui-là, j'ai eu l'impression de manquer un peu de saveur. Puis, le premier livre que j'avais lu de Dan Chamberlain, « Tous nos mensonges nécessaires » ou « Les mensonges nécessaires », il m'avait vraiment pris au cœur. Tandis que celui-là, le sujet était plus... Tu sais, on parle de se dévoiler, on parle de s'accepter comme on est, on parle de... d'aller de l'avant envers l'amour. C'est peut-être un sujet moins poignant que ce que j'ai lu auparavant. Donc, j'ai bien aimé la lecture, ça se lit toujours aussi rapidement parce que chaque chapitre, c'est comme une intrigue dévoilée. Chaque personnage, on les suit, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir c'est quoi leur historique. On veut lire les révélations. Donc, pour ça, j'aime lire Dan Chamberlain. Mais ce que je vous dirais, c'est que c'était pas mon tome préféré, peut-être dû à la thématique, au thème abordé. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, je me fais moi-même une recommandation, ici, d'essayer de lire des livres plus récents de Dan Chamberlain, quoique je me suis dit que je voulais tous les lire, mais bon, les plus vieux, je me rends compte, en tout cas, que celui-là, c'est pas nécessairement mes préférés. Mais ça peut être juste une situation de thématique et non une situation
d'âge, de livre. Donc, sur ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est toujours une auteure que j'aime tout de même. Et puis, je vous conseille de lire du Diane Chamberlain de votre vie si vous ne l'avez jamais fait. Mais peut-être pas celui-là en partant, parce que celui-là, il est plus ordinaire que ce que j'ai lu d'autres de elle. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des commentaires, des critiques, vous pouvez toujours le faire en dessous de ma vidéo. Et si vous avez mes vidéos, vous pouvez toujours me laisser un petit thumbs up. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.